aussi un éveil palais, donc c'est pour réveiller vos papilles autour de l'amertume et l'acidité avec du pamplemousse, citron vert et orange amer. À savoir qu'il y a une petite crème tout au fond, donc je vous conseille de plonger la cuillère jusqu'au fond pour avoir la crème et la mousse en même temps. Très bonne dégustation. Vous avez le cendre avec le bourbon classique, enfin du cendre fumé avec une mousse de beurre blanc, et enfin une glace au beurre blanc avec des algues d'huître. Tu vas avoir soit nature, soit des fruits 5 céréales torréfiées, ou bien figues et raisins. Je peux avoir la fleur de sel ? La Maryland de Thomas Mondé et Oignon. C'est sûr pour 3 personnes. Parce qu'on en a une, la fleur de sel. La fleur de sel. Alors c'est Thomas Mondé, mais attention, j'en ai très 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 peu pour vous, donc c'est que pour moi, deux et Mondé. C'est bon, tu manges et tu mets, tu sais, la limite de gingembre, citronnelle, tout bon. Vous allez. On part sur une mise en bouche végétale. Tout est vert, principalement, et que du végétal. On commence sur la Mongolie, un retour de Mongolie avec le poivre, une crème cornichon et citron, foie gras et champignons enoki. Je suis une petite fleur de ciboulette qui apporte le côté un petit peu aéré, mais n'hésitez pas à associer ensemble. Rouleau de viande séchée maison, thon. Sésame, quelques pointes de pamplemousse et une sauce verte de basilic. Voyage du côté de la Thaïlande avec les langoustines, avec son écume coco, mangue verte et espuma de cacahuète. Très bonne dégustation. Ce plat, il a une petite histoire. Ah, mais pas les caméras. Si. Si. Bon, alors je vais te raconter l'histoire. Elle est longue en plus. Hein. Donc, vous allez manger froid si je vous raconte. On était au Sri Lanka. On s'est levé à 2h du matin pour monter une montagne qui s'appelle l'Adam's Peak. Au centre du Sri Lanka. Et tu fais 1200 mètres de dénivelé en 3 heures. Que des marches. 5500 marches. On s'est levé à 2h du matin, on a fait les 5500 mètres. Et t'arrives là-haut à 5h, t'as le lever du soleil. J'avais jamais vu ça de ma vie, c'est juste magnifique. Le soir, on est redescendu, on est allé à la mer, enfin on est allé sur la côte, et on s'est retrouvé à la plage. Et on a mangé sur une table de camping,
les pieds dans le sable, et on nous a servi un poisson que tu choisissais sur un banc de poisson. On disait, je veux celui-là. On est allé nous faire griller et on nous a servi avec cette sauce que vous allez goûter. Et quand on m'a servi cette sauce, je me suis dit, oh, c'est extraordinaire cette sauce. Moi, j'adore. Et alors, je les ai tannés par la recette, tannés. Et je vous dis pas ce qu'il y a dedans, parce que je vous dirai tout à l'heure, peut-être. Sur le carpaccio de veau, on met à la truffe et un dim sum maison. Alors c'est du veau confit pendant 7 heures avec du céleri. Là, on est sur le magret de Nueil-sur-Layon. Donc c'est le plat qui vient de l'Inde avec un jus aux épices, mais il n'y a pas du tout de curry. Et carottes pour orange et jaune. Donc là, le vrai crémet d'Angers, attention parce qu'il y en a qui se battent avec le crémet nantais, le vrai crémet d'Angers dans la gaze avec le petit pot à crémet. Donc c'est en forme de cœur, avec un compoté pomme rhubarbe sur le dessus. Bonne dégustation. Merci. De gaz. Et ça, c'est une assez riche. Merci. Allez. Créaforme pour faire celle-ci. On a un jeu d'assiettes qui se compose en fonction des desserts qu'on fait. Alors, chocolat avec un sorbet cacahuète et un crémeux fromage blanc sur le dessus.